Comme vous le savez sans doute, le samedi 16 décembre 2023, des gens ont tué 7 chiens de chasse dans l'exercice de leur passion. On va revenir sur ces faits. Mais avant de commencer, je voudrais rappeler une chose. S'il existe des débiles anti-chasse pour regretter qu'on n'ait pas tiré sur les gens plutôt que sur les chiens, j'en ai vu passer des dizaines des commentaires comme ça. Il faut éviter de tomber dans la récupération facile. Je me bats toute l'année contre les anti-chasse qui passent leur temps à instrumentaliser le moindre fait divers. Du coup, on va essayer d'être moins con qu'eux. Ce qui en soi n'est pas une perf, je vous l'accorde. Cette histoire est un fait divers. Point. Et comme chacun le sait, l'exemple est la preuve des cons. Un jour un chasseur, si tu nous regardes, on se demandera tout au plus si le climat installé par la sphère animaliste n'est pas propice au passage à l'acte. Mais là encore, ce sont pures conjectures. Dans tous les cas, cette affaire ayant suscité beaucoup d'émotions, j'ai décidé de me déplacer. Voilà, je suis arrivé dans la commune du Chélard, où j'ai rendez-vous avec un des propriétaires, peut-être les deux, je ne sais pas, on verra comment ça va se dérouler. Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, essayer de remonter un petit peu dans l'historique de cette histoire. J'avoue, je ne sais pas exactement sur quoi je vais tomber. Je vais essayer de fouiner un peu pour essayer de, pourquoi pas, aller sur les lieux, essayer de rencontrer éventuellement des gens de cette communauté et puis parler un petit peu avec les gens du village. Donc, je suis sur place. Oui. Ouais, je suis à Jonac. J'arrive dans 4 minutes, je suis là, même pas. On se retrouve donc pour l'interview d'un des propriétaires des chiens, appelons-le Laurent. Laurent qui a choisi de témoigner à visage masqué. Vous comprendrez pourquoi au fur et à mesure de la vidéo. Écoutons son récit. Ça s'est déroulé pendant une partie de chasse. On a lâché les sangliers sur notre territoire. C'est sorti de la traque, ça a passé à la ligne de poste. Il n'y avait pas de posté, quoi. On n'a pas pu arrêter les chiens du coup. Et les chiens sont rentrés sur le territoire de Chagnac, là où il y a la communauté de Trénas, quoi. Et il s'avère que le sanglier, il est passé au milieu de leurs cochons qu'ils ont à l'extérieur dans un parc où il n'y a que juste 3 fils qui les retient, quoi. Et le sanglier a voulu faire perdre sa voix aux chiens, il a coupé au milieu de leurs cochons à eux, du coup on a des chiens qui se sont arrêtés à leurs cochons, quoi. Et ben, comme il y a des cochons qui ressemblent beaucoup aux sangliers, les chiens n'ont pas fait trop la différence et ils en ont mordu un, quoi. Alors là, des chasseurs de la commune d'à côté, nous, on a entendu une rafale de tir, quoi, enfin, 15-20 coups de feu, donc du coup, après... Il y a eu 15-20 coups de feu. Ah oui. Alors là, on est 15-20 à l'avoir entendu, hein, et des équipes d'à côté l'ont entendu aussi. Et quand... Oui, c'était la guerre, en fait. Ils ont massacré les chiens. Ah, c'était un massacre, quoi. Moi, je suis arrivé sur les lieux, il y avait ça faisait comme une... Comme, ouais, c'était choquant, quoi. Choquant. Des chiens étalés un peu de partout. Je suis arrivé, il y avait une personne qui était en train d'enlever les colliers des chiens. Alors je sais pas pourquoi c'était faire, mais bon, chacun a son idée. Alors oui, chacun se fera son idée. Laurent arrive sur place, il découvre ses chiens massacrés, et il raconte avoir vu les auteurs essayer d'enlever les colliers des chiens. Et pour bien comprendre ce qu'essaye de dire Laurent, ce ne sont pas des colliers lambda, ce sont des colliers GPS qui leur servent à savoir où sont leurs chiens, les récupérer souvent en fin de chasse. Alors c'est quoi l'intérêt de la personne qui enlève les colliers? On est en droit de se demander si elle n'avait pas l'intention de se débarrasser des dépouilles des chiens. Bah oui, si tu butes des chiens, que tu veux essayer de faire disparaître les corps et que tu laisses les colliers GPS, Tu comprends, il y a un truc qui va mal se mettre. Bref, on est quand même en droit de se poser la question. Je continue le récit. J'ai été agressé physiquement. Ils t'ont agressé? Ah oui, physiquement, oui. Il s'est passé quoi? Je vois que t'as une attelle, là. Ils sont venus en courant. Il y en avait un qui est venu en courant et quelques personnes à côté, 5 ou 6 à côté, je sais même pas exactement, parce que ça se passe tellement vite. Avec un manche de pioche, il m'en a mis un ou deux coups. J'ai pu lui enlever le manche et après, ça s'est bousculé. Moi, je lui ai porté aucun coup, quoi. Donc c'est toi qui as été agressé, c'est pas toi qui es allé vers eux de colère, parce qu'on pourrait penser... Ah non, pas du tout. D'accord. Pas du tout, moi j'ai tapé personne, j'ai agressé personne. Donc là tu vois arriver, ils étaient combien à arriver une fois Là ils étaient 2 ou 3 sur place, et après quand ils sont venus que j'ai eu l'agression, ils sont arrivés, je sais pas, ils couraient sur la route, moi c'était un peu fou parce que j'avais un peu... J'étais dans le brouillard, quoi, j'étais choqué, quoi, mon cerveau, ça fait un choc, quoi. Et
Ouais, ils sont arrivés, ils étaient 7 ou 8 en courant, et un avec le piquet, le manche de pioche là, en bois. Et il t'a frappé sur quoi, sur le bras? Ouais, dans la cuisse et là sur le bras quoi. D'accord. Sur le coude. Du coup, t'as fait constater ça? Oui, le médecin l'a vu et tout. Ben, j'ai fait une radio, et là j'attends les résultats de la radio. Et j'avais le coude qui avait doublé de volume, quoi. Mais bon, après, voilà. Mais comme souvent dans cette histoire, il y a un historique. Et ça dure, c'était même de l'année dernière, de l'année d'avant. Mais bon, nous, on ne l'a pas trop pris au sérieux, quoi. Et on aurait peut-être dû. Mais bon, il faut savoir que chaque fois que les chiens partaient là-bas, on faisait tout pour aller les couper le plus vite possible, pour pas forcément les gêner, quoi. Pour pas les gêner, comme on savait qu'ils ne voulaient pas trop qu'on y aille. Mais bon, oui, mais alors, moi, je suis pas un spécialiste, en réglementation, mais il me semble qu'un élevage de cochons, c'est pas les normes, c'est pas trois bouts de fil. Il me semble aussi. Après, moi, je connais pas trop les normes, mais il me semble aussi, oui. Donc, oui, parce que au-delà du fait que ça peut permettre au sanglier de rentrer, si le sanglier il peut rentrer ici, ça veut dire qu'aussi il peut aller s'hybrider avec ses cochons. Il y en a deux, ils ressemblent fortement à des sangliers. Oui, donc et voilà, après, il y en a deux que c'est des cochons d'élevage, des cochons roses, quoi. Ah, il suffit de regarder, hein. L'arrêté du 16 octobre 2018 prévoit à l'article 4.4 que toute exploitation doit disposer d'un système de protection permettant d'éviter tout contact direct entre l'essuidé domestique détenu dans l'exploitation, quel que soit leur âge et leur sexe, et les suidés sauvages. Bon, si les porcs avaient été détenus dans des enclos aux normes, les sangliers n'auraient pas pu rentrer, par définition. Et encore moins les chiens qui poursuivaient le sanglier. Oui, du coup, c'est assez clair comme truc. Hein. Si, comme le raconte Laurent, il y a juste trois fils électriques sans aucune autre protection, il y a déjà manquement. Et malgré ça, Laurent était quand même de bonne volonté. Quand je suis arrivé, déjà j'étais choqué, j'ai dit, les chiens, ça arrive qu'ils peuvent faire une bêtise, j'aurais assumé ma responsabilité, j'aurais voilà. Oui, t'aurais payé d'éventuels dégâts. Voilà. Et on m'a répondu, oui, mais les cochons, nous, on les mange. Alors, je sais pas si c'était une réponse, j'ai pas compris, quoi. Je suppose qu'ils voulaient pas que les chiens abîment la viande. Dans ce cas-là, il reste l'application de la loi s'agissant des clôtures. Donc, t'as déposé plainte à la gendarmerie? Oui. On a fait surtout ça aussi pour les collègues d'à côté, les communes d'à côté, parce qu'il nous a promis que maintenant, n'importe quel chien qui est rentré là-bas, il serait mort. Ah oui, effectivement, tout le monde est prévenu. Comment tu te sens, toi, par rapport à tout ce qui s'est passé? Ah ben, mal, quoi, parce que voilà, on a perdu des chiens, on s'y attache, c'est des bêtes qu'on aime, quoi, c'est inexplicable, quoi. Et puis les chiens, ils étaient à moi, ils étaient aussi à mon ami qui en a perdu 4. Et puis même mes gamins, c'était leur chien aussi, quoi. Oui, parce que tes enfants, du coup, je suppose qu'ils sont choqués aussi. Ah ben oui. Ah oui. Il a fallu que tu leur expliques ce qui s'est passé. Ben oui. Et puis toutes les photos qui tournent, des fois on éteint vite la télé pour. Il y a eu des photos qui sont passées à la télé et tout, vite on essaye qu'ils voient le moins possible, quoi. Essayez de pas trop parler devant eux de ça, quoi. Et pour bien remettre les choses dans leur contexte, voici les chiens qui ont été massacrés le 16 décembre 2023. Laisse-la, Jové, la laisse. Laisse-la traîner, la laisse. Popeye, viens ici, allez, viens. Là. Voilà, c'est donc les enfants des chiens qui ont été massacrés. Je sais pas si on se rend compte, en fait, de la violence du truc. C'est les bébés, quoi. C'est des chiens qui sont... Les chiens de chasse sont tous comme ça. Un bébé. Oui, c'est un bébé sympa. Oui, c'est un gros bébé ça. Bah oui. Voilà, chacun se fera son idée sur la nature de ce qui s'est passé. Mais ma vidéo n'était pas complète. J'avais envie d'aller rencontrer les gens de cette communauté du Trenas, mais avant, je voulais en savoir un peu plus et discuter avec les gens du village. Et comme vous allez le voir, c'est un poil compliqué. Bon, j'ai eu une indication, il y a quelqu'un qui accepterait de me parler sur la commune du Chélard. Quelqu'un qui accepterait de me parler de la communauté. Ce qui n'est pas évident parce que vraiment j'ai croisé beaucoup de gens avec qui j'ai discuté, tout le monde est d'accord pour témoigner, mais personne n'est d'accord pour être filmé, donc bon, on est quand même dans une vidéo YouTube, hein, c'est pas évident, et puis vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole hein, quand je vous raconte les choses. Donc là c'est bien, on va voir ce que cette personne a à nous raconter.
Bon, mais ce contact au Chélard m'a parlé, mais au départ, il était d'accord pour témoigner face caméra. Mais ils se sont fortement engueulés avec son épouse parce qu'elle refusait catégoriquement qu'il soit filmé, puisqu'elle avait peur des représailles. Et la personne que je devais voir, elle aussi avait. C'est pas qu'elle avait peur, c'est qu'elle avait conscience des risques, mais disait s'en foutre. Et était prêt à prendre ces risques-là. Je conçois complètement qu'il n'ait pas voulu, que cette femme n'ait pas voulu témoigner à la fin. Bon, je dois vous dire que je suis pas très tranquille. Je me suis arrêté sur le bord de la route. J'ai vu un gars qui avait une veste orange que j'ai très bien reconnue, qu'on reconnaît tous. Et voilà, ils ont accepté de me parler. Ils ont bien sûr refusé d'être filmés. Mais ils m'ont formellement déconseillé de monter, hein, me disant même qu'il aurait fallu que je monte armé. Je veux dire, on est quand même en Ardèche en 2023, et pour aller dans un endroit en France, il faut monter armé. Donc voilà, je pensais pas forcément que ça existait, ça, dans nos campagnes, mais a priori, si, ça existe. Mais je suis quand même pas tranquille, parce que ça fait au moins la 3e ou 4e personne qui me dit... Moi, quand je dois passer, je fais un détour. Ils sont fous, fais attention. Bon. Mais je veux pas faire monter la sauce. Hein. C'est vraiment les choses qu'on me dit. Donc, je suis quand même pas tranquille. Je vais quand même y aller. Parce que je veux voir de moi-même. Mais je vais pas prendre de risques inconsidérés. Hein. Si jamais je sens que ça commence à puer, je vais faire un bon demi-tour et puis aller passer les fêtes de Noël en famille. Il faut bien comprendre une chose. Les gens ne parlent que de ça dans la vallée et ils ont peur. J'ai entendu des trucs de fou, hein, des histoires à dormir debout. Mais globalement, beaucoup de mise en garde. À base de « n'y va pas », c'est dangereux. Juste pour le détail, une petite fille de 12 ans, bon, elle a 12 ans, mais c'est pas la question. Elle m'a dit, n'y va pas, tu vas mourir. Ça met bien dans l'ambiance, si. Mais à ce point de la vidéo, on va faire un petit point sur l'historique de la communauté. Elle a été créée dans les années 70 par Pierre Conti, qui a tout quitté dans la mouvance hippie hein, pour s'installer au Trénas et élever des chèvres. Selon les récits de l'époque, sa communauté est constituée de fils de bourgeois en rébellion face à la société de consommation. Rapidement, il s'oppose aux paysans locaux qui ne supportent plus ses débordements. Il se bagarre avec ses voisins, avec les chasseurs. Une tradition familiale, peut-être? Il ne paie pas les baux de location et ne rembourse pas ses emprunts. Il considère, en effet, que la terre appartient à celui qui la cultive. Oui, c'est particulier. Mais Pierre Conti s'enfonce peu à peu dans la délinquance. Le 24 août 1977, avec deux complices, il braque le Crédit Agricole de Villefort-en-Lozère. Dans sa fuite, il croise une estafette de gendarmerie, il abat un gendarme de 21 ans. Le trio décide ensuite de changer de véhicule et tente de voler la voiture de Roland, 54 ans. Il est accompagné de son fils, Cyprien, 21 ans. Et comme il tarde à leur tendre les clés, Pierre Conti les abat tous les deux. Il devient le tueur fou de l'Ardèche. L'un de ses complices est arrêté quelques mois plus tard aux Pays-Bas et l'autre se rend aux autorités en 1978. Ils sont condamnés respectivement à 18 et 5 ans de réclusion criminelle. Mais Pierre Conti reste introuvable. Défendu par le célèbre avocat Robert Badinter, Pierre Conti est condamné à mort par contumace. On ne l'a jamais retrouvé. Voilà le contexte de cette histoire, et un certain Manu Conti, le fils de Pierre, serait toujours présent au Trénas et même considéré comme le chef. C'est en tout cas ce que m'ont dit plusieurs personnes dans la vallée. Bon, je suis à 2 km. Je suis un peu tendu par rapport à tout ce qu'on m'a raconté sur cette communauté. Mais on va voir. Je laisse la caméra allumée. Bon voilà, ça fait pas trop de doute. Hein. Il est écrit Trénas, tueur. Vous voyez, il y a un panneau ici, Trénas 2 km.
franchement, on va la jouer smooth, on va voir. Bon, je vous le cache pas, je me sens un petit peu comme dans ces films américains, vous savez, où il faudrait pas faire le mauvais... prendre le mauvais tournant. J'y vais. Sur la route. C'est vraiment une un vrai tournant sur la route. Il y a écrit Trenas et ça a l'air de mener vers cette communauté. Et ça a l'air d'aller nulle part ailleurs, donc ça donne vraiment l'impression d'être dans une zone hors du temps, hors du droit même. C'est assez glauque et assez inquiétant. Bon, ben je suis monté jusqu'au hameau. C'était quand même particulier parce que les gens, quand ils m'ont vu arriver, m'ont littéralement fusillé du regard. Hein. Je suis content qu'ils aient pas eu des flingues à la place des yeux. J'ai pu discuter avec une femme qui est a priori dans l'envie d'apaisement, hein, puisqu'elle me dit elle-même qu'elle vit au pays. Donc je suppose qu'il y a une forme de haine qui se manifeste, hein, contre cette communauté aujourd'hui dans ces vallées, hein, parce qu'on connaît la place de la chasse dans ces endroits un petit peu reculés de notre belle ruralité. Malgré tout, elle a refusé, ils ont catégoriquement refusé de me parler en caméra, disant que éventuellement ils allaient regarder ma chaîne. Il faut bien comprendre que le sentiment global qui se dégage, c'est l'hostilité. Alors évidemment, il y a un contexte, mais autant cette femme m'a parlé à peu près normalement, autant les gens que j'ai croisés, des jeunes hommes pour la plupart, m'ont littéralement envoyé des regards de haine. Et il y avait une fenêtre, hein, d'un bâtiment par laquelle je voyais des silhouettes me regarder. Autant vous dire que, je dois reconnaître, j'en menais pas large. Et pour rappel, ces gens sont armés, je crois que ça tout le monde l'aura compris. D'ailleurs, comme je flippais un peu, hein, j'ai voulu détendre l'atmosphère. J'ai dit à la femme que des gens m'avaient prévenu dans la vallée que je ferais mieux de monter armé. Alors je la regarde, et je lui dis « Madame, vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui va m'enterrer dans la montagne. » Elle a pris un temps de réflexion, elle m'a regardé droit dans les yeux, et elle m'a dit « Non, mais on sait se défendre. » Voilà, voilà, hein. J'ai dit bonsoir et je suis remonté dans ma voiture. Je rigole, mais... Ok. Non, je rigole parce que... Je rigole pour ça, je vous montre. Voilà. J'avais pas vu, a priori ça, c'est une espèce endémique de l'Ardèche. Et ma foi, la suite je sais pas, ils ont dit qu'ils me recontacteraient peut-être pour donner leur version des faits. La femme m'explique que elle a défendu ses cochons face aux chiens et qu'elle-même, ayant des animaux, il lui arrive de tuer des animaux pour...
pour les empêcher de souffrir. Donc elle doit estimer normal, je suppose, de tuer des chiens pour empêcher de faire souffrir ses cochons, des cochons qu'elle va manger par la suite, n'est-ce pas? Je sais pas, tout ça me laisse un drôle de sentiment. En tout cas, c'est un petit peu étrange, cette ambiance qu'il y a là-haut. Alors évidemment, je me suis pas amusé à filmer parce que je voulais pas déclencher de conflits où il n'y avait pas besoin. Mais ça fait quand même une drôle d'impression, vraiment cette impression d'être un petit peu hors du droit, d'être presque hors de France. Voilà, je savais pas qu'il y avait ce genre d'endroit en France. Voilà, il est temps de rentrer, on va retourner en studio, j'ai encore sans doute 2-3 trucs à vous dire. Je me parle à moi-même dans le futur, mais me connaissant, j'ai encore 2-3 trucs à vous dire. Bah oui, c'est pas tout à fait fini, ça va. Dans la presse, les gens de cette communauté se disent amoureux des animaux. Moi, je veux bien. Mais ces chiens, ils ont été massacrés. Jusqu'au dernier. C'est long de tuer 7 chiens. Cet acte de soi-disant légitime défense ressemble clairement à une exécution. Une exécution de menaces proférées depuis des années envers les chasseurs de la région, selon leurs propres témoignages. Quoi qu'il en soit, la justice fera son travail. Déjà, il s'agit de savoir si les armes sont détenues légalement. Je vous rappelle que pour détenir des armes, il faut soit un permis de chasser, soit une licence de tir. Il s'agit de savoir si les clôtures sont aux normes, bon, ça j'ai quand même un doute, et si l'agression que dit avoir subie Laurent est bien reconnue comme telle. En attendant, tout ça repose sur les dires des uns et des autres. Je n'ai fait que donner la parole à ceux qui acceptaient de la prendre. Malgré tout ça, je crois qu'il faut savoir garder raison. J'ai lu beaucoup de violence de la part aussi des chasseurs sur les réseaux sociaux. Restons calmes et laissons la justice faire ce qu'elle sait faire. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.